2. Alors du coup, nous allons voir Crysis face à Monkey. Crysis et Monkey, excusez-moi, face à Fire et Edgeon, les deux des merveilleux joueurs de l'équipe de Tio, de l'équipe de Smash Unleashed, le Sonic et le Dracofeu, messieurs dames. Monsieur le meilleur Dracofeu de France, hein. On dit ça comme ça, on le glisse, mais bon, ça représente quand même, hein. Ah, il est solide le garçon, il est solide, il a pris des têtes, elles tombent encore et elles vont continuer de tomber, hein, face à cet homme là. Ah ouais, on parlait tout à l'heure de... Exactement. En plus avec justement le partenaire qui va bouger partout, qui va potentiellement lui donner des bonnes passes. Ça va être sympathique, ça va être très sympathique je pense. Et du coup face à eux, Monkey et Crysis, deux joueurs de Luxembourg, messieurs dames. On va voir. Ouais, ils savent comment jouer en team. Pour moi, ça se met bien, ça vise l'encerclement, ça pousse un mec ailleurs et ça réfléchit plus. Là, t'as vu les deux rouges. Genre, Mario est un peu offstage. Jimmy s'est rapproché direct pour le Dracofeu, mettant la pression. Sonic s'est rapproché, il a dû un peu s'arrêter, le pousser un peu. Mais il y avait déjà le sandwich qui s'est mis. Ben, sublime l'appareil. Mario était loin derrière, il savait que l'OB allait atterrir derrière lui, il a très bien visé, il a juste attendu le down tilt pour couvrir, tu vois. Ouais. Très belle jab, très beau jab. Il a vu la down throw de Sonic, il a commencé son jab. Sa shield stunnait sa shield bloquait le mec qui était en face de lui. Et le deuxième, il y a le knockback qui est arrivé. Allez, on chope les deux. Tank est loin, il a toute la rage qu'il a aussi, ça va être... Oh là là, ça serait sauvé direct. Ça va achever les stocks de manière très brutale. Je sais plus c'est quoi d'ailleurs la rapidité du jab de Dracofeu, mais d'ailleurs m'avait dit que c'est assez impressionnant, c'est vachement rapide. Très propre. Donc la part de... Très belle gage de la part de Monkey, hein. Il est passé juste au-dessus du smash avant, ça aurait pu être fatal, la stock elle disparaissait. Mais, Edgeon il est là. S'il n'avait pas perdu sa stock à 200 et quelques, un peu avant 200%, là je pense qu'on serait à égalité. Et le petit mur, hein, le petit mur, maintenant Edgeon qui va casser cette formation pour arriver à une situation d'encerclement autour des rouges. Malheureusement l'agression n'est pas forcément bien passée, surtout Didi a fait un mur face à Fire et l'a empêché de rentrer dedans pour qu'il vraiment il contredise la situation qu'Edgeon avait créée. Ah, dommage, je ne pas Edgeon, il est déjà bien placé pour récupérer le Mario. Ça va faire mal. Oh, bon backer. Bien sweet spot, hein. D'accord. Bon à savoir. On n'a pas eu plus tard. Cette petite flamèche. La spéciale.
pour le joueur qui n'a pas dit. Alors, si je peux me permettre, alors c'est vrai que là on n'est pas en stream, c'est chouette, mais par contre sur les VOD, parler de vos problèmes de machin, c'est pas vraiment le mieux. Donc pensez à faire gaffe quand vous, mettez, quand vous la mettez sur YouTube cette vidéo, si je peux me permettre. C'est pas grave, le truc c'est pas lancé, tu vois. C'est pour ça que tu vois maintenant ça je préfère maintenant que c'était fait tu vois, on en parle je veux dire hein, mais du coup donc la Dumps Row tout la Dumps Row de Sonic c'est pas trop. Enfin le follow-up comme ça, tu peux vraiment taker sur place dès que ça part. Ouais, je vois la... Ok. Sauf dans des conditions très particulières. Ouais, je vois un peu le genre, un peu ce genre de bail. Ça peut marcher sur un joueur qui connaît pas, ça peut marcher une fois ou deux parce qu'il va pas s'y attendre. Mais un mec qui connaît. C'est vrai que ça dure longtemps l'animation, c'est vrai que t'as le temps de t'y préparer, ouais, je suis d'accord. Okay. Bah après du coup, t'as, en W2, t'as quand même le niveau 2, ou même si tu tech et tu shield, certes il ne peut pas regraber, mais d'ailleurs il peut ou pas. Ouais non, ok, c'est le mec qui s'est dégradé en fait, qui peut pas se regraber, ok, attends, attends. Ça arrive, c'est en plus la game était quand même vachement serrée, on peut la faire sur le main stage. Je sais pas si j'ai perdu un peu de temps là, je pense que je vais le garde. La backthrow de Mario aussi qui bloque vraiment quasiment toutes les approches, hein, tout qu'il a pas lancé le mec. Et là, il trouve qu'il ne suffira pas. Diddy qui lui tourne autour du Dracofeu, ça se fait pas toucher, hein. Ah, dommage. J'ai l'impression que Géon a un peu de mal parfois à répondre aux passes de Fire. Fire est au courant pour répondre aux passes de Sonic, mais l'inverse est un peu moins vrai malheureusement. D'ailleurs, il est là de façon pour couvrir ce genre de choses et il coupe très 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 bien ce genre de choses justement. Il est au taquet, il y a des roulades, il y a des techs extérieurs, il sait que Sonic sera là pour couvrir le reste, il se place au cas où de toute façon ça va arriver par là, il couvre avec un gros smash et ça passe. Et les rouges depuis tout à l'heure, par contre, ils sont au milieu. Hein. Oh belle vieille par contre hein, de Diddy, ça a commencé away, hein. Tout de suite c'est revenu in. Dommage par contre. Ouais. Un peu triste. L'affaire qui va devoir faire le mur, empêcher les routes de tuer Sonic. Et c'est qu'il se sert de cette plateforme pour complètement prendre le terrain. On appuie Mario, on encercle Diddy et c'est parti en attaque. Oh, j'avoue, belle réaction, hein. Belle réaction de la part de Fire. Tristesse. Tristesse. Laissez tomber, je prends un peu de peur, je sais pas trop. Je pense qu'il allait tomber. Oh, ah là, Mario, il a fait la pire au monde. Il se fout au milieu, genre dangereux, et après il fait un gros aérial bien early dans le jeu du Dragon Ball, genre juste en face de lui pour se faire graber.
Yannick qui est encore au milieu. Il sert la plateforme pour pas l'être. Nedjo, il a la mobilité. Il se permet. La classique dans mon Sonic. Après, il fait pas des fire, hein. Et il marche avec ses grosses cuisses là. T'as le sol, il tremble à chaque pas. Mario, il doit avoir peur, mon gars. Et finalement, la choc. Victoire, c'est convaincant, carrément. Je pense que même si certains. Bien vu. Il y a eu un espèce de petit SD aussi, du coup, de la part du SD à la fin, qui était un peu rééquilibré. Ouais.